N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like, un petit pouce bleu, car je ne mange personne. Et bon visionnage à tous. Allez, sur ce, ciao ciao. Bonjour à tous, ici Ludo Reichser 77. J'ai le plaisir de vous présenter la dernière fois que j'avais fait la vidéo comme quoi les jeux que j'avais pris en Game Pass. Alors, je vais vous montrer comme quoi ça a été téléchargé. Vous voyez, Homefront et The Division. J'ai téléchargé les deux. Et aussi, pour l'autre précédente vidéo, j'ai pris la bêta de The Crew 2. Que, voilà. Alors, je vais vous montrer la preuve comme quoi il est installé. On commence tout de suite par The Crew 2, la bêta. Je vous montre la preuve comme quoi il est bel et bien installé. Mais par contre, il y a un message que j'avais reçu comme quoi qui ne sera pas disponible aujourd'hui. Donc il faut attendre le 21, je crois, si je m'en souviens bien. Je vous montre la preuve. Oh, quelle belle image déjà. Alors donc, comme je vous ai dit, ça va... J'ai reçu un message comme quoi qu'il fallait attendre la sortie du The Crew 2 en bêta. Alors donc, commencez votre aventure. Je clique. Voilà, ça télécharge. Et vous... Comme vous voyez là maintenant, la bêta ouverte de The Crew 2 commencera le 21 juin à 10h, heure de métropole. Voilà. Donc, ça veut dire que je ne peux pas jouer à ce jeu et il faut attendre le 21 à 10h. Voilà. Je vous montre, c'était juste pour vous montrer ça. Donc, je quitte. Je le ferme. Hop, je vais revenir dans mes jeux et applications. Hop. Et donc, je vous dis et je vous redis encore une fois, la bêta de The Crew 2, il est téléchargé, mais je ne peux pas jouer avant le 21. C'est à partir de 10h. Voilà. Alors, ensuite, si vous voulez, je vous montre The Division. Il a été bel et bien installé. Que je l'avais pris dans la Game Pass. Vous voyez, si vous voulez, je peux mettre la Game Pass et je vous montre. Voilà. Alors, on va dans le store. Parcourir mes jeux. Non, découvrir le Xbox Game Pass. Vous rentrez dedans. Une fois vous y êtes dedans. Bon, je ne vais pas vous redire comme quoi qu'il faut s'abonner là-dessus, comme vous avez vu la précédente vidéo. Voilà. Alors, il y avait ces trois-là qui venaient juste de sortir. Alors, donc, comme vous voyez, il y a marqué « Jouer ». Et ceux qui n'ont pas la Game Pass, tant pis pour vous, vous serez dans l'obligation de payer 49,99€. Mais vu que grâce à la Game Pass, j'ai une réduction pour 15€. Mais faites vite, parce qu'il reste 4 jours. Il reste 4 jours pour l'acheter. Après, si vous voulez, pour l'avoir directement en téléchargement. Et voilà. Alors, je vous montre la preuve, comme quoi il est bien en route. Le temps que ça démarre, voilà, c'est en train de décharger. Comme vous voyez, c'est en train de télécharger. Bon, ça. Si vous voulez lire, vous mettez sur pause.
Voilà, Ubisoft, bah, comme vous voyez, bah, je suis connecté et voilà, il est en route. Voilà la preuve que quoi que grâce à la Game Pass, et ben, je peux accéder directement au jeu. Donc, juste après celui-ci, bah, je vais vous montrer Homerfront. Que celui-là aussi, j'ai acheté, que je vous ai montré aux précédentes vidéos que j'avais publiées. Et ben, celui-là aussi, il marche. Voilà, comme vous voyez. Voilà. Si vous voulez, je peux me mettre sur continuer. Hop. Là, je me connecte au serveur. Et puis voilà, hein. Comme vous voyez, ben ça fonctionne nickel. Et voilà, je vous ai montré quelques petites astuces comme quoi qui fonctionnent correctement. Ce jeu. Excusez-moi, ça va mettre un peu de temps. Le temps qu'il télécharge. Regardez ça. Voilà. Comme vous voyez, ben, je peux jouer. Voilà. Vous êtes sur le point d'entrer dans une zone de sûreté. Bon, c'est vrai que je l'avais, ce Division, il y a 2 ans de ça, je l'avais pris en version CD, et après, ben, j'étais connecté avec une autre personne, et on partageait les jeux et tout à l'époque, et voilà. Que maintenant, voilà, ben, je partage plus rien, c'est terminé. Voilà. Alors, comme vous avez vu, The Division, Tom Clancy, The Division, il fonctionne correctement. Voilà, grâce au Game Pass de Xbox. Voilà. Alors, je vais arrêter ça. Hop. Je vais vous montrer l'autre jeu. Hop. L'autre jeu, il est dans la file d'attente. Voilà. The Homerfront, The Revolution. Alors, je clique dessus et comme vous voyez, bah, celui-là aussi, j'avais pu le télécharger grâce à Xbox Game Pass et je l'ai eu totalement gratuitement grâce à ça. Et sinon, bah, ça revient au même. Et il faut l'acheter. Je crois, il y a une réduction sur celui-là. Je ne sais même Achieved plus. with CryEngine. Et donc, comme vous voyez, bah, ça fonctionne. Voilà, ça passe. Alors, Homerfront, The Evolution, comme vous voyez. Hop, c'est en train de télécharger. Oui. Et voilà. Comme vous voyez, ben, ça fonctionne. Donc, voilà. Ben, écoutez, ben, je vais vous laisser en votre compagnie. Et puis, la prochaine vidéo que je vais sortir, ben, c'est la suite de Forza Motorsport 7. Et donc, voilà. Je vous laisse en votre compagnie sur cette vidéo et je vous dis à très vite. C'était Ludo Racer 77 et je vous dis à très vite. Allez sur ce, ciao ciao!